une force élevée et tu vas dire à Dieu pourquoi tu es ici. Et cette phrase, elle est beaucoup très importante. Tu vas lui dire, je suis là parce que j'ai telle chose, j'aimerais qu'en sortie d'ici, que tu me décharges de mon problème. Grâce au, c'est un homme comme toi. Alors, il faut adresser, prier à Dieu, et Dieu va utiliser le prophète Crasso pour te guérir. C'est ta prière qu'il va écouter. C'est pas Crasso, c'est toi ta prière. Il amènera certainement même, tu peux même t'arrêter sans que le prophète Crasso ne t'impose la main. Dieu peut même te guérir. Donc, tenez-vous debout et puis exprimez-vous. Exprime-toi. Ce moment est tellement important. Il faut prier. Il ne faut pas te laisser distraire. Ne coupe même pas ton voisin. Ne coupe même pas celui qui est à côté de toi. Demande simplement à Dieu de te libérer cette nuit. Il faut que Dieu te délivre. La puissance de Dieu doit te libérer cette nuit. Le Saint-Esprit doit œuvrer dans ta vie. Cette nuit, la puissance de Dieu doit être à l'œuvre pour te guérir, pour te délivrer et pour te restaurer. Jésus-Christ veut encore te délivrer. Jésus-Christ veut encore te restaurer. Notre Dieu veut encore te bénir. Dis quelque chose à Dieu. Tu dis quelque chose cette nuit. Tu es là pour lui. Tu es là contre lui. Il faut que Dieu te guérisse cette nuit. Il faut qu'il te délivre de ta situation. Il faut qu'il te restaure. Que la puissance de Dieu te touche cette nuit. Que sa puissance te touche cette nuit. Que sa puissance te touche cette nuit. Que la puissance. Que la puissance. Cette nuit, que la puissance de Dieu, que la puissance, que la puissance, que la puissance, que la puissance, que la puissance de Dieu, que la puissance, 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 la
Il va quitter son ventre. Allez. Allez. Soulevez la main devant ici. Il y a quelque chose qui se passe dans son ventre. Je sens comme un magua qui est en train de marcher dans son ventre. Continuez les prières, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Délivre ce soir. Amenez-la-moi ici. Amenez-la-moi ici. Amenez-moi-la-moi ici. Vous avez peur? Amenez-moi ici. Ils ne pourront pas rentrer dans votre corps. Ici. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer, c'est un ordre. Tu vas la libérer. Par la puissance. Amène-moi le paille. Lâche. Amène-moi le paille. Voilà, frappe, frappe. Lâche. Tu quittes. Tu quittes son corps. Maintenant. Tu vas la libérer. Tu es dans son ventre. Tu es dans son ventre. Va partir. C'est un homme. La puissance de Jésus-Christ. Que Dieu lâche là. Tu vas la libérer. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Tu vas libérer sa vie. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Le feu sur toi. Le feu. La puissance de Jésus. La puissance. C'est énorme. Tu vas libérer sa vie. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Allez, lâche-la. Lâche-la. Par la puissance qui vient dans le sang de Jésus. Lâche-la. Ne nous regarde pas, spectateur. Toi, sois concentré. Oui, il faut commencer à prier. Voilà. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Non, priez pour vous-même. Laissez-la. Prie pour toi-même. Demande au Seigneur de te visiter ce soir. Lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Si. 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 Si tu vas la libérer, si, si, pourquoi? Tu vas la libérer, si. Tu vas la libérer, pardon. Tu vas la libérer, tu vas la libérer. Manifestation des démons. Tu peux être là. Une belle femme que tu aimes et que tu as les démons en toi. Tu vas la libérer. N'ayez pas peur. Aucun démon ne peut rentrer dans votre corps tout à l'heure. Aucun démon ne pourra rentrer dans votre corps. Vous m'avez bien entendu? N'ayez pas peur. Ok? N'ayez pas peur de ce qui est en train de se passer et de ce que vous voyez. Vous êtes en train de vivre. Lâche-la. Tu vas partir. Si, une minute. Lâche-la. Si, lâche-la. Lâche-la. Soulevez la main. J'ai besoin des gens les plus importants de la salle. Dans mon jeu, tout en bas. Lâche-la. Yes. La puissance de Dieu. La puissance. Lâche-la. Lâche-la. Votre train vigilant. Hein? Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la.
Lâche-la. Attention, coupable, pour casser son bras. Lâche-la. Voilà. Laissez-moi sa face. Lâche-la. Il faut la tête un saint de mon Dieu. La puissance de Dieu. Lâche. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. Tu vas la libérer. Si, tu vas la libérer. Tu vas libérer sa vie. Je m'attends, tu vas la libérer. C'est un arbre. C'est un arbre. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. L'amour est une force surnaturelle. C'est ce qu'on appelle des démons. Oui, c'est une manifestation surnaturelle. C'est-à-dire là, elle est où elle est. C'est un démon qui est en train de se manifester. Quitte sa vie. C'est mon enseignement tout à l'heure. J'ai parlé des œufs du diable, des œufs du Dieu. On va toucher l'aspect des démons et leurs œuvres. Et ça nous fera du bien tous. Lâche. Tu vas partir. Tu es encore dans son ventre. J'ai l'impression de voir un CRM qui font du maguire, n'est-ce pas, qui est dans son ventre, qui va empêcher ses soeurs de procréer. N'est-ce pas? Quitte son ventre. Oui. Quitte son ventre. Ouais. Quitte son ventre. Ouais. Quitte. Tu vas vomir. Libère-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est un arbre. 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 Lâche-la. Libère sa vie. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Tu vas quitter sa vie. C'est un arbre. Tu vas lâcher sa vie. Dans le nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie. Et dans le nom de Jésus. C'est un arbre. Quitte sa vie. Tu pars. Tu pars qui est dans ce monde. Je pars à ces démons. Logés dans le ventre de cette sœur. Ces démons logés dans son ventre. Je m'adresse à ce démon. Tu pars. Je m'attends. Quitte son ventre et pas. Si. Monsieur le frère, c'est ça. Elle dit, je fais oui, c'est ça? Oui, je fais oui, ce monsieur. Ah bon? Pourquoi je te fais oui? Je me sais. Ah bon? Pourtant, tu es à terre. Non, je suis. Mais tu es à terre. De toi à moi, c'est toi qui es à terre. J'ai fort et tu es à terre. Tu es à terre. Tu m'attends? Ah non, mais il faut rire. Il n'y a rien à faire de le dessus, ce monsieur. Et tu vas quitter sa vie. Tu m'entends? Tu vas quitter sa vie. Non. Si. Tu m'entends? Tu vas jamais. Pardon? Tu ne pourras jamais me laver dans son ventre. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Jésus-Christ,
te libère ce soir. Jésus te délivre ce soir. Jésus te délivre ce soir. La main de Dieu te libère cette nuit. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. L'esprit qui s'en va, c'est pas ça? Va-t'en. Tu pars. Pourquoi tu as fait ça? Vous comprenez, non? On a commencé le combat, qui a gagné? J'essaie de dire aux gens, qui vient, qui fait le combat? Pourquoi Dieu t'a amené dans ce putain de monde? C'est à cause de vous que je m'ai envoyé dans ce monde. Elle a détruit tout le rêve d'un démon. Vous comprenez? Tu as dit, tu es là et puis il y a un esprit dans ta vie, tu ne comprends pas. Je vous expliquerai tout à l'heure. Comment ça se passe, ça fonctionne? Je vous explique. Va-t'en. 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 Tu pars. Laisse-moi une chance. Non, ça c'est ne aussi pas. Non, ça c'est ne. Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est ça? Oui. Ok. Ce que je veux, c'est de partir. C'est tout tu ce que veux. Je veux quoi? Voiture, l'argent. Raison. Ce que je veux. Tu veux voir sur maison? Non, je veux que tu quittes sa vie. Non. Ce sera le plus gros cadeau que tu m'as donné. Le plus gros cadeau, c'est de quitter sa vie. Oui, je veux rentrer dans le corps de quelqu'un. Non. Non. C'est à qui je cherche. Il ne rentrera pas dans mon corps. Dis amen. Je crois qu'on a quand même dit ça. Je vous rassure. Je vous dis dans mon corps. Nous sommes à la présence de Dieu. Amen. Où il est quitté là? Ça va, il va partir. J'ai quitté quelque part, le tout là-bas. C'est quelle histoire? Vous avez compris? Vous allez comprendre mon enseignement. L'esprit, un démon à l'aise dans un corps humain. Je vous partage l'enseignement tout à l'heure. Voilà. Il est à l'aise dans un corps humain. Et quand il rentre dans un corps, il est plus à l'aise. Il a la capacité de téléguider cette personne. Elle devient une personne anormale et on dit une personne qui est possédée. Parce que souvent, on pose des actes, on a l'impression que non, cette personne n'est pas normale. C'est-à-dire qu'il y a un démon en toi. J'ai un esprit qui te téléguide. C'est un serment que je vais donner tout à l'heure. Heureusement, qu'au travers de cette manifestation, nous allons mieux comprendre mon enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Bon, je t'interdis de rentrer dans le corps de quelqu'un. Vous voulez que je l'envoie où? Dans le sien. Je m'amuse. Il va partir dans l'océan, n'est-ce pas? Au profond de l'océan. Non, laissez-le dans l'océan. Dans l'océan. Au fond de l'océan. Il est poisson qui est parlé dans l'océan. Quitte son nom. Dans le nom de Jésus. Voilà, lâche-moi. Vous voyez, ce genre d'esprit, quand il est dans ta vie, pour une femme, il sera difficile d'avoir un ordre, une stabilité sentimentale. Il y a cet esprit-là qui reste sa vie. Et il n'y a même pas un esprit, il introduit une maladie dans ta vie. L'esprit qu'on appelle Marie de nuit, on l'appelle Marie-Esprit. Il n'est pas forcément la nuit qui vient faire l'amour avec toi, mais il t'a épousé spirituellement parlant. Et quand il est dans ta vie, il t'envoie les maladies telles que fibromes. Et moi, j'ai un fils spirituel qui est gynécologue.
Il est chirurgien, chirurgien. Il m'a montré le film des fibromes qui venaient d'enlever dans le ventre d'une femme et qui respirait. Comme un bébé. Si, pour ceux qui savent ça, ils peuvent me témoigner. Et ça les même que cet homme comme une femme qui est enceinte. Mais c'est que l'autre, il boit ton sang. Et ça les forme souvent des yeux, et puis ça bat le cœur, ça vit, hein? Ça bat comme si tu étais un bébé. C'est comme un monstre. Et quand la naît, c'est-à-dire, l'esprit là, il est jacqué en toi. Quand vous rêvez, vous avez l'impression que vous êtes mouillé. Comme ça avait fait l'amour. Mais c'est un esprit. C'est pas parce que c'est faux. Vous l'avez effectivement fait, mais pas physiquement, mais en esprit. Et ça se répète. Quand ça s'est répété plusieurs fois, ça veut dire qui il est dans ta vie, d'une manière subtile. Ok? Quand tu t'engages dans une relation, ça ne marche pas. Parce que, de toute façon, tu es jaloux. Lui aussi, il est jaloux. Ah, bien saisi. Et il est la cause de beaucoup de l'esprit du célibat. Et quelle est donc ta vie pour une femme? Tu es très nerveuse. C'est dans tes relations, il n'y a pas là. L'esprit est là. Vous allez commencer, ça ne va pas vous dire. C'est vice versa. Hein? Pour les hommes aussi, c'est pareil. La plupart de nous qui sommes en Afrique, par exemple, et la plupart de ceux qui sont dans la Caraïbe, qui sont au bord de la mer, ils sont emmerdés par ce démon. On l'appelle généralement l'esprit de la sirène des eaux. Elle est beaucoup dans la sexualité et dans l'esprit du célibat. Ceux qui ont adoré Tanoué ou les Anguilles, l'esprit des eaux dans les villages, parce que nos parents, dans l'ignorance, ils sont allés adorer les rivières et ça provoque beaucoup de choses. Dans l'ignorance, ils ont géré, ils ont adoré, mais l'esprit vient dans notre vie. C'est là. Même si on ne l'adore pas, mais l'esprit ne va pas. Il ne meurt pas d'ailleurs. Un esprit ne meurt pas. On le chasse. C'est ça qui dit à un moment, vous chasserez les démons. Je vais l'expliquer après. N'est-ce pas? Et vous êtes là, vous regardez, vous êtes là, bien, joli. Vous avez tous les meilleurs parfums, tous les meilleurs sables du monde. Mais vous êtes malheureux, malheureuse. Parce qu'en ce qui concerne les relations, ah non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un esprit en vous. Qui brûle tout. Or, quand on est quelqu'un heureux, c'est quand la personne a eu l'âme sœur, une âme sœur. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme qui t'ira, tu vas avoir l'argent, tout l'or du monde. Tu n'es pas marié, tu n'es plus stable. La femme apporte la stabilité dans la vie d'un homme. Et l'homme aussi, pareil. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que deux valent mieux que un. On prie pour ça. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il peut y avoir un rejet. C'est-à-dire, le monsieur, dès qu'il a le rapport avec toi, c'est fini. L'esprit vient derrière, tu le mets entre toi et lui. Et quand tu le vois le lendemain, il n'y a pas là. Ou c'est lui qui fuit, ou c'est toi qui le fuis. Parce qu'il y a un esprit. Souvent, tu le vois, mais il ne peut pas prendre le visage de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu prends le visage de quelqu'un que tu connais, souvent. Ou bien il prend le visage de quelqu'un que tu ne connais pas. Mais il vient faire des rapports. Il vient faire des rapports. Il a des rapports avec toi dans le rêve. Dans le rêve, il a des rapports avec toi. Et quand tu te lèves le cil, c'est que tu es mouillé. Tu es éjaculé sur toi. Mais c'est de l'amour que tu as fait, mais en esprit. Comprenez? Et quand un démon est dans la vie de quelqu'un, il détruit sa vie, frère. Il détruit sa vie. Et généralement, c'est l'esprit de la sorcellerie qui le fait. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut que tu sois délivré. Amen. Tu as rencontré une personne, tu as envie de te marier, tu as l'âge de te marier, tu n'arrives plus à te marier, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est une bénédiction de se marier. Amen. Amen. C'est une bénédiction d'avoir un mari. C'est une bénédiction. Parce que le meilleur paracétamol que la femme reçoit un matin, c'est je t'aime. Avec un bisou. C'est le meilleur paracétamol. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Non, j'ai dit qu'une femme avec un homme, qu'elle a paracétamol, elle veut paracétamol, c'est je t'aime. Elle a tous les sourires du monde. Quand tu ne dis pas je t'aime, tu es stressé et tu casses tous les verres de la maison. Quand tu vas te servir le café, le verre tombe.
parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour... C'est pour ça que c'est vraiment important. Qu'on veuille ou pas, c'est important le mariage, d'avoir une femme. Nous qui aimons jeter les chaussures en désordre, quand on a une femme dans la vie de quelqu'un qui est désordonné, la femme vient mettre de l'ordre. C'est pour ça que la femme, elle s'appelle Eve. C'est comme ça. Nous, quand on vient, on quitte la croix, on jette des chaussures là-bas. Si tu veux, la servante vient, elle gère ça. Vous comprenez? Donc, la femme, elle joue un grand rôle. Et l'homme, la femme, l'homme, vous comprenez? Là, comme le monsieur, le démon a enlevé ses vies de Gargamel. J'ai assisté à une croisade où un possédé démon a déshabillé le pasteur. Malheur pour le pasteur, il n'avait pas chocoto en bas. Donc en français, il va réunir la diafoule. Il crie, Seigneur, aidez-moi. Libérez-la. Libérez-la, libérez-la. Je vous ai parlé. Adela. Adela. J'ai vu deux cas comme ça dans mon ministère. Un démon a croqué le doigt de quelqu'un, un pasteur, et puis un démon a déshabillé un pasteur. Parce que l'esprit ne veut pas partir. Vous comprenez? L'esprit dit carrément que tu as brisé mon rêve. Mon rêve est brisé. Tu vas la libérer. C'est un homme. Ce sera quand vous mettez au hasard. Où on délivre, où on chasse les démons, pour bien t'habiller. Sinon, tu vas gâter pour partir. Tu vas te déguiser, mon chat. Oh, t'as fait une aide. Non, j'ai mal. Et tant de les prêcher, il va tout le monde. Moi, j'ai mal. Le pasteur est dit. J'ai mal au poing. Il va partir. Dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer. C'est un là. Dis à ton gars de quitter son nom. Tu vas partir. Dis-lui de quitter son nom. Tu vas partir. Dis-lui de quitter son nom. Tu as la souris pour l'envoyer ici. Délivrance, chasser un démon, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas qui veut. Viens sur ce terrain. Parce que c'est son territoire, il ne veut pas partir. Et avant, je viens sur son carré. La puissance de Dieu. Lâche-la. Tu vas partir. Tu vas la libérer. Viens, t'as mangé, tu m'as tout donné. T'as mangé quoi? Tu vas la libérer. Tu vas partir. Si, tu vas partir. Il va blesser tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tu veux blesser tout le monde? Parce que ça m'amuse. Ah, ça t'amuse. Mais va-t'en. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Laissez-moi, sinon je ne peux pas partir. Tu vas m'attraper comme ça. Tu vas partir. Laissez-moi. Tu vas partir. Laissez-moi, sinon je ne peux pas partir. Si, tu vas partir. Je dois partir avec tu une force. Tu vas partir. Je dois libérer son ventre avec une force. Hey! Lâchez-moi d'abord, je ne vous toucherai pas. Le feu sur toi. Ah! Tu m'attends le feu. Consulte tes œuvres. Lâche-la dans le nom de Jésus. Lâche ma mère. Tu vas partir. Libère-la. Tu n'as pas soif?
feu de l'esprit. Le feu consume tes œuvres, tous ces corps. Va-t'en. Dans ton ventre, c'était comment? Une force. Une force. C'est fini. Tu vas désormais les enfants. C'est fini. Oh,
ses bras, la puissance de Dieu, ton ciel de Dieu, dans ses bras, au nom de Jésus, le feu de l'Esprit, ton ciel de Dieu, tu vas la libérer. Thank you.
êtes assis, j'ai prié là-bas. De prier, si vous êtes assis, je prierai pas pour vous. Vous allez vous tenir debout. C'est un homme. Va-t'en. Va-t'en. Si. Va.
Va. Va. Allez. Sors. Fais. Le feu. Allez, va. Feu. Allez, feu. 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 Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Et l'esprit. Va. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, libère. Libère. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Maintenant. Maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas la libérer. Lâche-la. 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 Va. Va. Si. Allez, va-t'en. Va-t'en. Va. Va. Va-t'en. Tu vas partir. Le feu. Mais va. Quitte son corps. Quitte son corps. Maintenant. Maintenant. Libère-la. 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 Va, 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 va
force parce qu'il y a les démons en eux. Oh, il faut pas les laisser comme ça. Vous comprenez? Si je les laisse, l'esprit va les faire du mal. L'esprit s'est déclenché. Il faut qu'il sorte du corps. C'est pour cela que j'insiste. Tout le temps, je chante un insiste, c'est pour que l'esprit parte. Parce que si j'ai négligé ça, c'est pas bon. Il va partir. Dans sa vie et l'esprit veut faire d'elle une prostituée. C'est-à-dire l'esprit est rentré pour qu'elle puisse se vendre pour avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit parte de sa vie. Thank you.
soir. Dis amen. Il y a quelqu'un, Dieu, en train de te délivrer. Voilà ce cri. Dans le nom
touche pendant que tu fais. Soulevez la main là, Moïse. Je vous touche ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Pray for yourself. Pray. Yeah.
maintenant. Maintenant même. Et chasse ta présence. Pars! Pars! Maintenant! Le feu! Je te libère! Je te libère! Je te libère! Maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Nous t'avons vécu à cause du sang de Jésus, la croix. Nous t'avons vécu, le diable, à cause du sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, tu la libères et maintenant. Tu la libères et maintenant. Te guéris. Dieu te guérit. Mais c'est là, je viens tout à l'heure. Le feu,
Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Si, tu vas partir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Soulevez la main là de l'autre côté. Doucement, son bras. Fais attention à son bras quand tu tires. On peut attacher ses pieds. Laisse ses bras. Sors. Allez. Fais, allez. Fais, allez, allez. Comment, 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 allez, fais. Allez, comment, allez, fais. Comment, comment, fais. Allez, comment, allez. Comment, thank you.
esprit de délivrance, nous poursuivons tout à l'heure. Je vais justement lire un verset de la Bible. Je vais lire un verset de la Bible qui va nous faire du bien. Hier, nous avons parlé hier de l'existence du Dieu et des diables, n'est-ce pas? Ok? Ne vous occupez pas de ce qui se passe. On va revenir. On va faire une pause pour s'asseoir. Et puis, on va comprendre quelque chose. Ce qui est en train de se passer, nous allons comprendre ce qui se passe maintenant. Et puis, nous allons relancer la délivrance. Amen. Hier, on a essayé de parler de Dieu et du diable. Nous sommes d'accord que Dieu existe, n'est-ce pas? Ok. Qui est d'accord que Dieu existe? Vous êtes d'accord, hein? Oh, vous êtes d'accord que Dieu existe? Celui qui ne croit pas en Dieu n'a qu'à quitter la salle. Ça va? Ça va? Les mots, il n'est pas bon. Hein? Ok. Vous croyez aussi à l'existence du diable? Qui croit que le diable existe? Il existe, si tu veux, tu veux haut, tu veux pas haut, il est diable, il existe. Tu veux haut, tu veux pas, il y a diable. Lui, il s'en fout de toi. De toute façon, Dieu existe. C'est comme ça le diable existe. On est dans la paix, ça? Ok. Et il est devenu diable, selon la Bible. Hier, nous avons vu dans Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 11, jusqu'à 12, c'est mieux. Nous avons compris, il était d'abord, il était ange de lumière, donc on l'appelait Lucifer. Ok? Il a monté une rébellion dans le ciel, et il a eu l'archange Michael qui l'a chassé du ciel. Il ne s'appelle plus maintenant Lucifer, il s'appelle Diable. Son nom propre à l'état civil, c'est Satan. Qui s'appelait Dante? C'est Satan, sur son passeport diplomatique, c'est Satan. Il a un passeport diplomatique, il n'a pas besoin de consulter quelqu'un. Non, c'est le passeport diplomatique qu'il a. Que tu veux ou pas, il est Satan. Donc il est descendu, chassé du ciel. Et la Bible dit, il est animé d'une grande colère, Donc malheur à la terre et à la mer. Donc le diable est descendu sur la terre et dans la mer. Comprenez? Voilà, donc il y a le camp de Dieu, il y a le camp du diable. Cela sous-entend que il y a les œuvres de Dieu et il y a les œuvres du diable. Vous voyez quelqu'un, il est écrasé, ah c'est Dieu, à la locati, à la locata, on s'en chien vient manger. Hein, Kamato? Son s'arrachit, on met d'amour dedans, hein? Il change, il mange. Je connais bien le chant d'amour. C'est mal pour bien vous-même. Quand tu fais Rachid, là, tu mets d'abord, tu t'en restes tranquille. Quand tu dors, tu fais bon rêve. Je vous rien. C'est la chose de chez moi, mais comme. Amen. Donc, il y a les œuvres de Dieu et il y a les œuvres du diable. Vous comprenez? Ok. De toute façon, Dieu existe. Il a ses œuvres. Également aussi le diable à ses œuvres. Ne vous écoutez pas, écoutez-moi seulement. Après, il est arrivé là, on le maté. C'est là, on le maté. Lui, c'est un rebelle. Le diable, c'est un rebelle. On bat la rébellion, on ne discute pas avec eux. Vous avez vu le démon tout à l'heure, hein? Je vais donner une voiture. C'est une voiture, toi, tu peux me donner. Diable, il donne une voiture, il ne va pas prendre ça. Diable va prendre. Toi, diable, tu te connais quand va dire. Toi, tu peux me donner une voiture. Tout ça, vous partez chez les marabouts, ils vous donnent leur richesse, puis après ils gâtent. Tout ce qui vient du diable, ça se gâte. Écoutez très bien, les gens qui disent le prophète Crasso, c'est un féticheur, c'est un marabout. Je n'ai jamais dit aux gens d'aller chercher fétiche. Je n'ai jamais conseillé aux gens d'aller adorer un marabout. Jamais. Moi, je vous montre comment le diable travaille. Et puis je vous dis, n'allez pas là-bas. Si vous partez là-bas, c'est qui va vous montrer. Je n'ai jamais dit aux gens de suivre Crasso. Je vous ai toujours montré le chemin de Dieu. Moi, je ne viens pas ici pour avoir, n'est-ce pas, des adeptes. Je suis en train de parler aux gens pour les emmener dans le royaume de Dieu.
vous amener à croire en Dieu, à laisser tout fétichisme, tout ça, et à ne pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que tout ce qui est derrière la sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Donc je disais hier, le temps de Dieu. Dieu, il est bon. Le projet de Dieu pour toi et pour moi, c'est que tu sois dans le bonheur. Dis amen. Amen. C'est que tu sois heureux. Dis amen. Amen. Sinon, il n'allait pas donner la connaissance au médecin de créer des médicaments pour ta santé. Il n'a pas donné cette grande connaissance au chirurgien d'opérer un être humain et d'opter la maladie du corps d'un être humain. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. Mais tu dis que, ouais, donc il y a aussi le camp du diable. Dieu, c'est bon, et lui, c'est les mauvaises choses. Sur ça, on dit qu'il est animé d'un mauvais esprit. Et quand c'est pour Dieu, on dit l'animé du Saint-Esprit. C'est-à-dire un esprit qui est saint. On m'a bien saisi. Okay. Donc, Dieu, il est bon. Okay. Et j'ai parlé des différents des démons. Hier, j'ai parlé d'un démon avant d'attaquer la sorcellerie. Hier, j'ai développé un peu la sorcellerie. J'ai revenu là-dessus. Parce que c'est un démon que je maîtrise beaucoup. Et j'aime bien parler de lui parce qu'il est très dangereux. Mais il y a aussi d'autres démons, comme l'esprit guerrier. Voilà. Il y a des gens qui font, j'aime pas. On peut s'énerver. On dit, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Il y a des gens, et les palabres, ça finit jamais. Ils sont rancuniers comme diable, Satan lui-même. Quelqu'un qui est rancunier, il est possédé. Quand tu gardes rancune, parce que dans le cœur, écoutez très bien, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu peux t'énerver. Mais le jour où tu es énervé et puis tu ne pardonnes pas ta femme, tu ne peux pas aller dormir. Vous voulez faire le mur de Berlin qui est cassé aujourd'hui là. Monsieur donne dos à sa femme et la femme donne dos. Et quand la femme veut toucher, chérie, et puis le monsieur tape. La sorcellerie entre dans la maison. Parce qu'une maison qui est divisée ne peut pas subsister selon la parole de Dieu. Comprenez? Une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Donc, la stratégie de la sorcellerie, c'est de vous mettre en palabre, monsieur et madame, vous vous boudez. Hein? Vous dépassez, personne ne dit bonjour à son camarade. Quelqu'un touchant le pouce, le fâché. Et ça dure. Mais c'est fini. Vous avez donné raison à la sorcellerie de gagner du terrain. Parce que vous êtes divisé. Donc, le sorcier vient, il règne. C'est ce qu'il veut. Quand tu es avec une femme ou un homme, vous vivez ensemble. Vous êtes contraint à vous entendre. C'est une obligation. Ça se pose à vous. On m'a bien saisi. Or, là où on ne pardonne plus et que c'est la bagarre répétée, ça veut dire que c'est un démon qui vous possède. Parce que quand quelqu'un est ici, qu'il y a un esprit saint, il pardonne. Parce que l'esprit de Dieu est caractérisé par le pardon et l'amour. Vous comprenez? Quelqu'un qui a montré, il voit sa femme, même si elle est fâchée, il sait comment la blaguer. Les femmes, pour les blaguer, c'est facile. Hein? C'est pas là, nous, maman. C'est parce qu'on ne sait pas. C'est nous, on est dur, sec, on dirait coco. On appelle ça papo. Ça, c'est vrai. Je vais les chercher après. Essayez. Faites un effort pour maîtriser, hein. Avec le démon. Je vais lui montrer son chemin tout à l'heure. Écoutez la parole de Dieu. Maintenant, je sens qu'il doit prêcher. Amen. Il y a aussi un esprit qu'on appelle l'esprit de vol. Avant d'arriver, vous allez comprendre pourquoi l'esprit de vol, c'est un esprit, quand ça habite une personne, la prison ne peut pas délivrer cette personne. Voilà. La prison ne peut pas délivrer. Vous allez mettre pour cette prison en prison, et qu'on a mis maison d'arrêt et de correction, maison d'arrêt et de correction. On l'arrête pour le corriger. Mais ça ne chasse pas en lui, l'esprit qui a lui. En réalité, il allait. Ça va se calmer. J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai un groupe qui ont formé des gens, des militaires, des gendarmes ensemble. On appelle ces égaux. Abidjan. Ils ont attrapé un petit des microbes. Pendant qu'on attrape le petit microbe, il prend Bédou, du gendarme met en bouche. Il n'a pas peur du gendarme. Il faut qu'elle parle. Donc le gendarme maintenant, il se rend compte que son bédou est parti.
rapidement. On touche le petit, le bébé on a rapproché le petit. C'est un démon. C'est plus fort que le petit. Ok. Si vous constatez ça déjà, c'est cela que par moment, les gens on les appelle les klepto. Ils volent des choses insignifiantes. Et puis aller dans un supermarché. Voler. Voler l'argent de son mari, c'est de la sorcellerie. Voler l'argent de sa femme, c'est aussi de la sorcellerie. Vol, c'est vol. Vous m'avez bien saisi. Hein? Hein? Vous voulez. Si vous voulez, c'est dangereux. La seule chose que vous devez faire, monsieur et madame, c'est la confiance. Vous devez arriver dans une maison. Moi, quand quelqu'un vient, quand je prends une nouvelle maison, je la piège. Je piège tous ceux qui vivent chez moi. Par les pieds des banques, je les piège. Et puis, heureusement, d'autres tombent, puis d'autres ne vont pas dedans. Si tu es tombé dedans, ça veut dire que toi, tu étais un ennemi pour moi. Parce que celui qui vit chez toi, tu dois lui faire par entière confiance. Parce qu'il est dans ton intimité. Vous comprenez? Vous comprenez? Par moment, on fait confiance aux gens bêtement, mais ce sont eux qui nous gardent. Okay? Donc, l'esprit de vol, ça fait qu'on vole. C'est qu'on ne doit même pas voler. On m'a dit ça. C'est comme l'esprit de vol. C'est comme la drogue. Prenez un drogué. Faites tout ce que vous voulez du drogué. Dès que vous le laissez, il va prendre la drogue. C'est plus fort que lui. Parce que c'est un démon. Amen. C'est un démon. Donc quand un démon est dans ta vie, ton comportement est anormal. Ta manière de réagir, les gens trouvent ça, ils trouvent pas ça normal. Aucune parole. Tu ne peux pas être discipliné. On va pour te faire asseoir. Tu vas lui dire, ma fille, pardon, ne sois pas un demi, maman. Quand tu rentres dans ta chambre, elle pose la porte, elle est partie chez les garçons. C'est un démon qui fait ça. Et tu vas me dire, c'est un démon. Parce qu'elle n'a pas peur. Ça dit, ce qui est en elle est plus fort. Le démon dit, ah, vas-y. Et c'est une force qui la pousse, pour qu'il le pousse à désobéir aux parents. Il s'en fout de ce qui va. Les conséquences. Quand il finit de commettre l'acte, c'est après ça qu'il regrette. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour un petit peu. Parce qu'il l'esprit dans son corps. Comprenez? C'est comme ça l'esprit dans son cerveau. Amalie, ça dit. C'est comme ça l'esprit de la sorcellerie. Amalie, ça dit. Ok. J'ai parlé hier de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est comme. C'est un esprit, c'est comme quelqu'un qui fumait la drogue, ou même qui prenait l'alcool, ou même qui volait. Cet esprit-là, quand tu le contactes, tu deviens l'homme le plus dangereux de la planète Terre. Un sorcier, c'est l'homme qui est le plus hypocrite de la planète Terre. Il est avec toi, mais il a double jeu. Il fait semblant d'être avec toi, mais il s'attend plus avec tes ennemis. J'ai toujours dit aux gens, si vous entendez bien avec quelqu'un, et qu'il est votre ami, et qu'il y a des personnes qui vous en veulent, qui vous combattent chaque jour, et que ce monsieur-là, il s'entend avec tes ennemis-là, il faut se séparer de lui. Parce qu'il n'est pas bon. Parce qu'il entend normal. S'il va vers eux, ils parleront mal de toi. Donc s'il s'entend avec eux, c'est que c'est lui qui va apporter les informations te concernant. Et c'est à partir des informations que les gens travaillent. Je sais quand tu viens avec quelqu'un, parce que c'est encore normal, quand tu viens avec quelqu'un, quand tu parles mal de lui, il te dit non, je ne parle pas mal de lui. Et si tu continues, on se sépare. Parce que c'est mon ami. Je l'aime tel qu'il est. S'il est mauvais, on prions pour lui. Mais à quoi le dénigrer, à quoi chercher à le détruire? Vous comprenez? Ceux qui cherchent à détruire sont les démons, sont les diables. Vous m'avez bien saisi? Donc, la stratégie du diable, c'est de t'approcher de toi et puis chercher à te nuire. Ça va? Je te reconnais. Ton mari est venu à Maryland, je l'ai délivré,
Il ne m'a plus revu après. Il est parti à Abidjan. Faut laisser suite en venir. Il m'a appelé comme. C'est ma maman, c'est pour ça qu'il parle doucement. Ça va? J'ai dit qu'il allait mourir, donc j'ai pris, il n'est plus mort. Il a bonne santé. Je suis prophète de Dieu. Voilà. Moi, je sauve les gens, c'est comme ça que je suis. Je ne pas un médicament, c'est la prière. Je sentais qu'il devait mourir, j'ai prié pour lui, il a été délivré. Délivrer quelqu'un, pourquoi vous le prenez de sorcier, vous le prenez de fétichier? En quoi délivrer quelqu'un est mauvais? Mes sciences ne sont pas, ce n'est pas caché. Ce n'est pas derrière le rideau, c'est Facebook Live. Tout s'est fait en direct. Rien de mystérieux dans ce qu'on fait. Tout est clair. Amen. Amen. Mais je laisse les enfants de Satan parler. Continuez de parler, nous on sortira les gens. Continuez de les sauver. On va continuer de les sauver. Parlez. Donc je parlais de l'esprit de la sorcellerie. C'est l'art de la nuisance. Quand quelqu'un a ça, il est jaloux. Une jalousie extrême et haineuse. Écoutez, il y a deux formes de jalousie. J'ai ma femme. Tu viens de la salle chaque jour. Puis tu lui donnes des yeux. Puis la partie gauche, gauche. Et depuis je suis à ta. Pourquoi c'est gauche là? Tu dors. Comment tu lui envoies des messages? Cette jalousie-là, ce n'est pas sorcellerie. Hein. C'est une question de protéger sa femme. C'est pas ça? Ou pas vous allez dire non, le prophète dit, quand tu es jaloux, tu es sorcier. Il y a deux formes de jalousie. Celui qui aime est jaloux. Non? Oui. Moi, j'ai aimé quelque chose, tu as venu jouer ça. Non, ça va? Oui, ça va. J'ai aimé quelque chose, tu as joué, mais on va s'affronter. Combien? Moi, c'est ma femme qui envoie les messages, j'aime, j'aime. Tu viens jouer sur mon territoire. Amen. Non, cette jalousie, ce n'est pas sorcellerie. C'est une question de protéger sa femme. Comment de protéger? C'est vice versa, l'homme. C'est ça aussi, de protéger son homme. Ok. Mais l'autre forme de jalousie dont je vais parler, c'est une jalousie haineuse. Quand j'ai une voiture, ça t'énerve. Tu es fâché. Vous allez me dire comment? Mais dans sa manière de faire, vous allez savoir ça. Quand vous annoncez bonne chose, il est triste. Et puis il a l'air bizarre. Tout compte fait, Dieu a envoyé un don dans chacun d'entre nous qu'on appelle intuition. Ça, ça existe. Ce n'est pas un don, mais c'est une présence de Dieu en vous qui vous fait croire que c'est Dieu qui vous parle sans le savoir. D'une manière subtile, il vous parle. Parce que vous le connaissez. Pourquoi vous dites que tu es triste? À cause de la voiture qu'il vient d'acheter, il n'est pas content. Parce que lui, il ne peut pas réfléchir, il ne pensait même pas que tu allais avoir une voiture. Quand tu lui dis que j'ai eu le travail, après il te raccroche. Il te dit même pas Dieu merci. Mais il te dit même pas, ah, tu dis, mais je t'ai dit que j'ai eu mon travail. Tu ne m'as même pas dit Dieu merci. Tu ne parles même pas de ça qu'on aborde. Au lieu de remercier Dieu avec toi, ça veut dire, c'est un ennemi déguisé. Ah oui. Vous comprenez? C'est un ennemi déguisé. Il était dans ta vie. Il était en train de détruire ta vie subtilement. Moi, j'ai une stratégie à moi. Quand je suis avec quelqu'un, on doit se faire avancer. Moi, je te fais avancer, tu me fais avancer. Si tu ne me fais pas avancer, tu dégages la vie. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent, avec des idées, avec la manière de faire les choses. Je sens que lui, il me défend. Je sens que lui, toute sa pensée, c'est de m'aider en pensée. Lui là, il est mon ami. On n'est pas ami qui veut. C'est pour ça que ça se mérite. Il est mon ami comment? Il est mon ami. Non, c'est ton ami. Il est mon ami non? Amen. Il est mon ami parce que c'est un indigne, il est prêt. Hein? Toujours prêt à m'aider. Celui qui va vous détruire, c'est celui qui vit mieux avec vous. C'est Judas qui a trahi Jésus. C'est pour cela que celui qui vit avec vous, vous devez mieux le connaître. Si vous ne le maîtrisez pas, il va vous détruire une fraction de seconde. Parce qu'il vous connaît. C'est pour cela que chez moi à la maison, ce n'est pas tout le monde qui veut me rendre visite. Je suis prophète, c'est à l'église. L'église, chez moi, c'est privé. C'est là où je dors, je mange.
Si tu viens quand il t'a donné rendez-vous, va prendre le rendez-vous à mon secrétariat. Vas-y, cherche-moi, c'est privé. Dieu même sait que je suis homme, j'ai aussi une vie après l'église. Même un pasteur qui vient me voir, il doit demander audience. Si je suis d'accord, il vient. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer chez vous. C'est celui à qui tu fais confiance qui doit vivre dans ton intimité. Et les gens pensent qu'on n'en trouve pas beaucoup. Mais si tu le trouves, c'est vrai à vous. Tu peux le connaître parce qu'il a la manière de te défendre, il a la manière de te faire avancer dans les idées. Mais tu dis, il est ami, il est toujours en train d'être avec ceux qui sont tes ennemis. Moi, j'avais des amis sur Facebook, des pasteurs qui ont commencé à insulter d'autres pasteurs, je les ai bloqués. Parce que moi, je ne peux pas permettre que tu sois un pasteur et que tu insultes d'autres pasteurs. Ouais. Je l'ai bloqué. Puis, je l'ai bloqué. C'est comme ça que je suis. Si tu le fais, tu vas me faire ça un jour. D'ailleurs, même si ma part, vous pouvez de me faire ça. Parce que là, chaque année, il y a une catégorie de pasteurs qu'on attend. C'est mon temps. Ils sont en train de me mater, ça me masse les réseaux sociaux. On m'insulte, du milieu matin, on m'insulte. On m'insulte, on fait des montages à la con pour dire voici le prophète, être dit, voici. Moi, ça me fait rire. Parce que c'est pas vrai. Donc, ça me fait rire. Comprenez? C'est comme ça. Quand tu vas vouloir être béni, tu verras toujours des gens pour t'attaquer. Ces gens qui m'attaquent aujourd'hui, ils ont essayé de trafiquer mon compte Facebook. En deux semaines, on a su ça, on a bloqué. Ils ont tout fait en matière de sorcellerie. Ils ont tout fait. Ils ont commencé à m'attaquer. Les mêmes gens qui m'attaquent, ils ont attaqué d'autres personnes. Donc, bref, je poursuis mon combat. Je ne me laisse même pas distraire. Je ne suis même pas distrait. Tout à fait. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si j'étais un pasteur, prophète qui cherchait l'argent, j'allais être à Abidjan. Avoir la meilleure église d'Abidjan. Parce que tous ceux qui viennent prier avec moi, c'est au moins toute la salle. Quelques-uns sont à Digo, mais la plupart de ceux qui viennent faire culte avec moi sont à Abidjan. Moi, je suis en village. C'est le village que j'ai fait le tour du monde. Ça vous énerve. Moi, je suis villageois. C'est au village que j'ai construit Orphelinat. Quelqu'un qui est mauvais ne va jamais construire Orphelinat. Je n'ai jamais acheté moi ma propre maison. C'est plus de 27 millions qu'on a mis dans l'Orphelinat. J'ai vendu ma maison, plutôt ma voiture, la X5, pour démarrer les travaux de l'Orphelinat. Les enfants ne sont pas mes enfants. Mais j'ai l'amour de Dieu en moi, donc ça crée l'amour de mon prochain. Donc Dieu dit, il faut s'occuper des veuves et des orphelins. Moi j'ai 90 veuves. Je vais plus les 90 veuves. Chaque fin du mois, 30 000 francs, un salaire. Qui fait ça? J'ai pris la maison de 50 personnes en difficulté. Je leur lis chaque mois. Parce que moi, je ne vis plus pour moi. Je vis pour les autres. C'est pour cela que je suis serviteur de Dieu. Tous ceux qui m'approchent, ils savent qui je suis. Je suis dans la rue, mon argent. Si j'ai 100 000 francs, je le partage. Puis je suis là. Parce qu'en donnant, Dieu va remplir la poche. C'est le secret. Donc quelqu'un qui est mauvais, il ne peut pas construire un féminin. Il ne peut pas s'occuper des vivres et des orphelins, ce n'est pas possible. Amen. Donc, quand quelqu'un a un esprit de la sorcellerie, il a une jalousie haineuse. Quand j'avais quelqu'un, elle n'est pas contente. Pourquoi celui de celle-là qui a ce monsieur, je vais la voir, et puis elle fait des petits micmacs, et puis le monsieur tombe dedans, puis elle garde ton mariage. Amen. Ça, c'est les petits comportements. Mais il y a une autre forme de sorcellerie où on mange la nuit, où le monsieur a un pouvoir mystique. Il a la capacité de venir même ici, vous détruire. Vous pouvez mettre ici à New York, et puis être enfermé dans une prison spirituelle. Parce qu'il y a la prison physique, il y a aussi une prison spirituelle. Vous êtes dans un endroit où aujourd'hui, tout le monde aspire. Tu vas pas demander à quelqu'un à Abidjan, tu veux venir à New York, il va vouloir sauter maintenant dans ta valise. New York, c'est joli. On ne va pas penser blaguer. C'est pas de l'amusement. Ici, il est mieux que chez nous. Nettement mieux que chez nous. Amen. Donc, en temps normal, vous devez réussir ici. En temps normal. Parce que chacun de toi. Mais à cause de la présence d'un malfaiteur dans ta vie, à cause de la présence d'un mauvais esprit
dans ta vie, sans le savoir, que vous voulez ou pas, il y a la sorcellerie dans nos familles. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Dans votre entourage, il y a la sorcellerie. Et cette sorcellerie-là scanne votre étoile. Et à partir de votre étoile, il commence à vous combattre. Vous comprenez? Et on bloque votre prospérité. On bloque votre vie. Vous avez l'impression que vous êtes parti, ça marchait tout. Et puis à un moment, tout est bloqué. Ça, c'est vrai. Tout est bloqué. Vous le sentez? Vous êtes frustré. Vous sentez ça? Ça prouve qu'il y a une main hostile qui t'empêche d'avancer. Amen. Qui vient délivrer la sorcellerie? Tous ceux qui viennent délivrer, approchez ici. Dégagez les chaises. Dégagez les chaises, dégagez. Poussez derrière, mettez-vous. Poussez. Allez un peu devant, allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Quitte là, pas que n'est pas dedans. Quitte là. Dieu va délivrer chacun d'entre nous. Mettez la main sur la tête. Amen. Et ceux qui veulent, je suis là jusqu'au, je pense, au 13, c'est ça? Yes. Ok. Vous rentrez en contact pour les rendez-vous privés, même à domicile. Moi, je peux venir pour des rendez-vous privés à domicile. Ok. Aujourd'hui, samedi, on n'aura pas de programme ici. On aura un autre programme dimanche. Ce dimanche, il vient. Soit, je préfère que ça soit one by one. One on one. Je préfère ça. Parce que c'est encore plus intéressant. Il y a beaucoup de choses que je vais expliquer. Mais à cause de la foule. À un moment, vous vous connaissez la plupart du temps. Vous vivez dans une communauté. Vous connaissez. À cause de l'expérience que j'ai, à un moment, quand tu partages des révélations, tu deviens peut-être sujet de moquerie pour d'autres personnes. Ou bien ils pensent, ils ont l'impression qu'ils ont tout de toi dehors. Et donc je préfère que ce samedi dimanche-là, commencez déjà à vous inscrire. Ce dimanche-là, au lieu de faire ce programme en salle, on va vous prendre un à un, n'est-ce pas, pour vous coacher. À partir de 18h, 19h, je serai dans la salle. Au lieu d'une croisade, on va vous recevoir. C'est ce que je ressens pour vous. Comme ça, le travail sera plus approfondi. Voilà, un à un. Jusqu'à ce que je finisse avec la dernière personne. On va pour un en un jusqu'à la dernière personne. Et le travail sera efficace. Sera plus efficace. Mais je vous conseille de marcher avec Dieu. Si vous ne marchez pas avec Dieu, pour nous, Jésus-Christ est important pour chacun d'entre vous. Vous allez retourner encore dans les œuvres du diable. C'est pour ça que quand vous avez Dieu dans votre vie, c'est une victoire. Et c'est ce que vous devez faire d'ailleurs. Amen. On lève les mains s'il vous plaît. Tu vas prier pour Dieu, demander à Dieu de rentrer dans ta vie. Faut lui demander et qu'il soit désormais le maître de ta vie. Qu'il vienne désormais dans ta vie. Nous te prions Seigneur. Dans la manifestation de la puissance, nous t'invitons. Viens. Agis pleinement dans la vie des bien-aimés, dans nos vies, Jésus. Sois le maître de notre vie, sois le Seigneur de notre vie. Manifeste-toi et agis d'une manière puissante. Glorifie ton Saint-Nom. Ah!
présence dans votre vie. La puissance de Dieu. Je détruis toute présence. Je ne glorifie pas Dieu dans votre vie. Ne manquez pas le dimanche. Ça sera encore plus intéressant.
mon cœur est chemin. Je suis de toi. C'est à eux que je m'adresse ce soir. Que la puissante main de Dieu vienne jusqu'à vous et vous délivre de toute programmation de mort dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton travail ce soir. Je libère ton enfantement ce soir. Je libère ton corps ce soir. Je ménage la sorcellerie. Que le diable vous lâche. Que la sorcellerie vous lâche. Je fais le retour à l'envoyeur. Et la mort retourne dans le camp. Et la mort retourne dans le camp. En forme, hein? Maman, y'a Placali. Toi, moi et toi, hein? Tu le veux là? Donnez les Placali pour le demain. Oui.
gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Sa vie. Non. Maintenant même, c'est un homme. Non. Tu pars. Non. Et tu la libères. Non. Tu pars et tu la libères. Non. Maintenant même. Non. That's the no. Lâche sa vie. Non. Tu vas la libérer. Non. Tu vas la libérer. Non. Au nom de Jésus. Allez, non. Le feu. 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 De l'esprit. Non. I'm not going nowhere. Je n'irai nulle part. Le feu de l'esprit. Non. Tu iras. Just stop it. I'm not going nowhere. Can you please stop? I'm not going nowhere. Allez, lâche-la. No. Hey. No. No. I love him to death. I
pardon, lâche-la. No. Si, tu vas partir. I said no. Si, non. I said no. Lâche-la. Can you please leave me? Lâche-la. No. Si, lâche-la. No. Hey. No. Libère-la. No. Libère-la. Si, tu vas partir. I said no. Hey, no. Hey, lâche-la. No. Libère-la. I said no. Lâche-la. Tu viens d'où? Do you hear where, where you come from? Tu viens d'où? Where I do not know. Je ne sais pas. Elle est comment l'amour de ta vie? Elle est comment? How is your the love for your life? I fall for her. Je suis loin d'elle. Mais comment elle est devenue l'amour de ta vie? How she becoming the love of your life? Do I know? Why are you asking me? Pourquoi tu me demandes? Je ne sais pas. Oui, parce que tu dois partir. Because you have to leave. Tu vas partir. I'm not going nowhere. Tu vas partir. I'm not going nowhere. Pourquoi? Why? Because I don't want you. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Because I don't want you. Elle, elle, elle est qui pour toi? Who I? She's for you. Who she is for you? She's my girlfriend. Elle est ma copine. Comment? How? Je ne sais pas. Comment? Quel, comment t'appelles? What's your name? I don't know. Je ne sais pas. Et tu vois qu'est-ce que tu es en train de faire, Samy? You see how what you do to her life? What you talking about? De quoi tu parles? Je parle de ce que je vois. I'm talking about what I see. I don't know what you're saying. Ah, je ne sais pas ce que tu dis. Tu vas partir de sa vie. No. Si. We're gonna free her. Si. Yes. Si. Si. No, she's my everything. Elle est tout pour moi. Le she's my everything. The fire of God. Le feu du Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit on you. Je t'en suis. Who are you? Qui es-tu? Who are you? C'est la puissance de Dieu. Who are you to tell me what to do? Qui es-tu? Et puis tu me demandes de partir. Demande de partir au nom de Jésus. Je n'irai nulle part. Si, tu vas partir. Si, je t'arrache sa vie. Let me enjoy my time with her. Je t'arrache sa vie. I'm having fun with her right now. Jouis de ma vie avec elle. Mais comment? How? Don't you see? Tu ne vois pas? Don't you see how happy we are? Nous sommes heureux. Heureux comment? How you are happy? I don't know how to explain. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Mais tu vas partir. Non. Si. Tu vas partir. I'm never leaving her. Je ne la libérerai pas. Mais tu n'es pas plus fort que Dieu. Who told you that? Qui t'a dit ça? Tu n'es pas plus fort que Dieu. Who told you that? Qui t'a dit ça? Oui, parce que Dieu est fort. No, you lying to yourself. Toi-même. Non, Dieu est fort. God is strong. Ça, c'est pas moi. Tout le monde sait que no, Dieu est fort. That's a lie. Non, c'est la vérité. No. Dieu est fort. I don't believe that. Je ne crois pas cela. Ok, tu ne crois pas cela, mais no. Dieu est fort. Non. À cause de la puissance qui existe dans le sang de Jésus, tu quittes ce corps. Non. Tu ne peux pas défier I Dieu. I said no, and it is a no. Tu ne peux pas défier no. Dieu. Non. Tu vas libérer sa vie. Tu vas la libérer. Si, tu vas partir. Ah si, tu diras. C'est ce que tu as dit. Oui, mais la dernière décision appartient à Dieu. La dernière décision appartient à Dieu. Tu vas la libérer. That's what you think, but it's not true. Ce que tu penses, mais c'est pas vrai. Ah, Dieu existe. No. Non, Dieu existe. No, that's a lie. Non, si, Dieu existe. That's a lie. Who told you that? Non, Dieu existe, c'est la vérité. No, that's a lie. C'est un mensonge. I don't want to listen to you. Je ne veux pas t'écouter. Oui, je m'en fous, je ne m'écoute pas. Mais je te dis quelque chose qui est réel. No. C'est parce que tu es fort. I don't believe it. I'm never going to believe it. Et tu mais tu n'es plus normal. I am. Je suis. Non, tu n'es pas normal. I am. Oui, tu es en danse. Don't you see how happy I am right now? Tu vois pas comment je suis. Ah non, non, non. Let me dance. Laisse-moi danser. Ah non. I need to dance. I need to go to the club. Je dois danser. Non, tu dois pas danser. I need to go Nous to the pas club. Dans une salle de spectacle. I have to dance. Les boîtes de nuit au club. I need to dance. Je dois danser. Tu vas danser. Yes. Quelle danse? I don't know. I need to enjoy my time with my girl. Elle dit, je dois jouir de mon temps avec ma copine. Mais comment elle s'appelle? What's his name? Your boyfriend. I'm sorry. Genevieve. C'est Genevieve qui la possède. Genevieve possède you. Genevieve is my girlfriend. Genevieve est sa girlfriend. Vous la connaissez? C'est mon papa. Le nom doit être dit là. Vous connaissez son propre nom. C'est son propre nom. Non, je veux. Non, le nom du démon, parce que c'est un esprit. Ah, l'esprit veut jouer avec Genevieve. C'est ça la tradition. L'esprit veut jouer avec elle. Avec elle. Oui. Ok.
Mais quel est le nom de l'esprit? What is the name of your girl boyfriend? Boyfriend, parce que c'est elle qui est. Spirit. Oh, the spirit. No. What is spirit the name of the spirit? I don't know. Je ne sais pas. Ok. Tu vas partir. Non. Si. I'm not going. Tu penses que aller dans les boîtes de nightclub est une bonne chose? Yes. Oui. You never knew that. Tu ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu trouves là-bas? Oh, I'll be having fun. J'ai le plaisir. Quel plaisir? Everything. Tout. Dis-moi, par exemple, un exemple. I get to dance. Je peux danser. Et puis tu fais quoi après? I don't know. I don't have to tell you that. Je n'ai pas à te dire ça. Tu cherches les garçons après. Why are you asking me that question? Pourquoi tu me poses cette question? C'est privé. Ah, c'est privé. Ah, dis-moi, dis-moi, tu as secret tout ça. Tu vas partir. Tu vas partir. Why are you playing with my feelings? Non, que ses parents soient heureux. Il faut que ses parents soient heureux. Parce que l'esprit fait qu'elle ne s'attend pas avec ses parents. Elle vit une sale vie. Tu la détruis, tu es en train de la gâter. Okay, so what? C'est pas normal. Okay. I don't care. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. I don't care. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne vois pas ça? Oui, c'est mais... OK. Elle est tout pour moi. Non, elle appartient à une famille. Okay. I don't care about ses parents. I don't care about his family. Je m'en fous de sa famille. Non, si elle appartient à une famille. Si tu t'en fous de ta famille, c'est que tu es un destructeur. OK. Tu ne peux pas la séparer de sa famille. As long as I'm happy with her, I don't care about the rest. C'est pas normal. Tant que je suis heureux avec elle, je m'en fous du reste. Et la chambre. Tu vas quitter? No. Si. Non. Tu vas partir. You're wasting your time because nothing is going to change. Tu perds ton temps parce que rien ne va changer. Tu vas partir. Tu vas partir. You're funny. Tu es amusant. Tu vas partir. Tu vas partir. I said no and it is a no. Je dis non et c'est non. See, you're wasting my time. Tu vas perdre mon temps. Non, tu vas partir. Oh my God. Can you please let me go? I need to go have fun with my girl. Je dois aller avoir le plaisir avec ma girl, ma fille, ma copine. Ah, c'est un plaisir tu fais. T'as du plaisir. Bien sûr. Ah, parlez français. Un français anglophone. J'ai un plaisir. Bien sûr. Mais tu fais comment pour avoir le plaisir? I don't want to talk about that. Dis-moi, tu fais comment? Le plaisir là, c'est comment? I'm not telling you. Je ne vais pas te dire, je ne te dirai rien. Tu vois comment tu es égoïste? Tu ne penses qu'à toi. Or, la fille a une famille. Et c'est qui tu as mis en elle la sépare de sa famille. I don't care about his family and she's never gonna be happy. Sa famille ne sera jamais heureuse. Ah, tu as vu, non, tu as gâté. Comment tu peux vivre avec quelqu'un, tu détruis sa joie. I only care about her. Je prends seulement soin d'elle. Comment? Tu l'as une fois déjà acheté une voiture, une maison. Tu l'as une fois acheté une maison, une voiture. No need to do all that. Je n'ai pas besoin de faire tout cela. Mais tu fais quoi? You don't want to know. Tu ne peux pas savoir. Non, mais dis-moi, comme ça je vais te donner raison. You don't want to know. Tu ne peux pas savoir. Dis-moi. I'm not telling you anything. Je ne te dirai rien. Dis-moi ce que tu fais. On va faire tout à l'heure le bain d'huile, on va prier sur les huiles. Donc attendez. Why you keep asking me the same question over and over? Don't you have something else to do? Seule chose que je désire maintenant, c'est de la libérer. Jamais. Si. Jamais. Tu vas partir. Jamais. Par la puissance. Jamais. Feu. Je vais vivre. Feu. I'm not going anywhere. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. I say no. I say no. Emily say no. Oh my God. This guy don't listen. I say no. Pour la bouche
comprenez rien de silence. Can you please let me go? S'il vous plaît, vous pouvez me laisser partir. Let me go and join my life. Laissez-moi partir, je suis de ma vie. What is you talking about? What is you devant ici, on va pousser.